parole à palais.com. Fritz Sergent Louis, amis auditeurs qui branchent tout partout dans le monde là. Yon gros bonjour pour nous toutes. Merci pour fidélité, merci pour attachement à Moment Vérité chaque samedi dans le Sahara. Sur Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Et ben, pendant quelques 4 heures, nous analyser, nous décortiquer actualité sociopolitique là. Jean-René Mendil avec des invités de taille et ses contributions PAN dans 4GFOR pour nous construire yon lot Haïti. Yon Haïti côté, c'est la tolérance Capta Evanda. Yon Haïti côté gagne création d'emplois, création de richesses. Yon Haïti côté, quel qu'il en soit, côtoyer sous planète là. Eh ben, ou fier pour dire ou appartenu à l'île, c'est de Haïti ça a nous rêvé. Et chaque jour, nous devons travailler, chaque seconde, nous t'as même dit dans Vino, nous devons travailler pour aboutir à Haïti ça, cet Haïti qui se fait encore attendre. Bon, ma vérité, c'est à Viteur Peggy Jean avec France Exantus, Pierre Brunet avec Fritzina Jean-Louis à Passure Manœuvre Technique. Yo. France, comment ça est? Salut Peggy, salut Pierre Brunet, nous saluons Fritzina Jean-Louis, nos deux commandants de bord qui va suivre Manœuvre Technique. Yo. Nous comptons rejoindre toutes fidèles auditeurs, auditrices signalio pour nous faire traverser ensemble depuis hier matin de Dili. Prochain rendez-vous, rendez-vous que t'es pipré pour moi-même avec auditeurs. C'est Moment Vérité, Peggy Jean avec moi-même, Franz Exantus, pour nous faire traverser ensemble chaque samedi matin, 8h, 1h, côté nous poser problème, yo, nous aborder divers aspects dans pile problème pays d'Haïti à traverser jeudi. Nous présentons informations qui dominent l'actualité ce matin. Mais dans la deuxième partie émission, nous recevons panélistes nous qui fait débat, qui critique, ça qui mérite critiquer, mais qui doit encourager, ça qui mérite encourager, et surtout dégager des perspectives pour nous, qui gens, qui moyens, qui route nous arrivent prendre pour essayer de sortir Haïti dans sa liée la journée jeudi, parce que nous sommes d'accord, Haïti, jeudi, c'est de l'eau dans le jeu, c'est désespoir. C'est regret, c'est salibaï, c'est raïssance, c'est salbaï, c'est ça n'a observé. Jeunesse là qui ose à bois, qui désemparé, qui a cherché moyen pour partir, courir quitter pays là. Et l'œil en pays, c'est jeune qui a courir quitter, c'est universitaire qui désespéré. Eh bien, son pays tout simplement pas gagne l'avenir. Donc, il est important pour nous continuer à attirer attention. Si là, il y a un gouvernement pays là, mais pour le travail, pour le pays à espoir, pour le jeunesse là. Envie vive à fonctionner dans le pays, yo. Ça qui a fait nous rejoindre et tical possibilité pour nous croire, eh bien, demain, il y aura l'irrété possible ici en Haïti pour nous améliorer les conditions. Donc, nous comptons, rejoignons l'autre fois matin. Moment Vérité, c'est émission pour là. Ou émission débat, ou émission analyse, ou émission clérégée, ou émission d'actualité. Mm-hmm. Alors, femme, dis auditeurs, comme à l'accoutumée, moi, au frais, ça coûte la caisse. Même si c'est habituel, pratiquement. Alors, nous parlons d'entrer France dans l'effet marquant de l'actualité de la semaine. Nous pas oublier, salons l'autre ancien commissaire du gouvernement. C'est maître Torchon, songez, jeune commissaire du gouvernement, ça, qui c'est avocat, et bon, alors qui fait ainsi que, yo même tout, yo branché. Moment Vérité. Alors, l'effet marquant de l'actualité de la semaine, France. Actualité semaine non, qu'a signalé avant d'arriver sur question de tractation pour nous connaître qui est-ce qui va l'occuper poste premier ministre là, qui est-ce président pour aller choisir, pour aller nommer, puisque c'est pas désigné encore sous base constitution amendée. Il faut que nous signaler déplacement et président en Guyane, c'est premier déplacement officiel Jovenel Moïse comme président de la République. Monsieur a participé dans le sommet et chef d'État et de gouvernement et Caraïbes là, dans zone là, c'est en Guyane. À Georgetown. Georgetown. Monsieur a eu l'occasion de parler avec Pigou responsable dans le pays ça. Et le tourné sorti Guyane, dans le salon diplomatique là, il a parlé dans le micro-journaliste, côté le débat et précision, sur diverses rencontres qui profitaient fait. Et possibilités de coopération qui gagnait, qui a développé avec Guyane, notamment dans la question de l'eau. Elle parlait de échange dans la question bois, tout, puisque Guyane produit un pile bois, et Haïti besoin ça, un pile fois qu'on a l'acheté le bien, loin, l'on a besoin. Donc, monsieur dit, yo, chita parlé dans le niveau ça, et avant longtemps, le président Guyane a gagné pour le fond rivé, bon, ici, en Haïti, pour y avoir signé un protocole d'accord, pour y avoir qui gens qui façon Haïti, qui a gagné un pile bon collaboration, avec Zile et ça, qui est tout près, non, parce que quand même, Haïti,
doit soigner relation axilayo qui pi près pour nous qui gens qui façon leur production nationale nous commencer chita qui gens va aller couler produit nous pour nous permettre de devise entrer dans pays là en façon pour good luck à essayer respirer par rapport à dollar qui tout pisil jodi à quoi qu'on est le pays. Donc ce fut le premier déplacement à l'étranger du président de la République. Absolument, et France pas quelqu'un be fado ça pe l'avocat dans ba au quatre bouquin mandé est-ce que vous même tout pas branché. Occasion pour nous saluer maître Hans Deli Lafleur Jean qui c'est avocat dans barreau quoi des bouquins et qui dit li avec une équipe solide et au branché au moins vérité. Maître, nous saluons, merci de écouter. Effectivement, c'est la toute première c'est le tout premier voyage officiel du nouveau président de la République à l'étranger en dehors du pays et c'est un sommet j'en dis là qui réunit les présidents et les chefs de gouvernement de différents pays régions. Alors constat, c'est que Haïti, membre de la communauté de la Caraïbe, n'ont pas dû bénéficier de sa la libre circulation des biens et des personnes. Alors Fonzi Nixon, merci, c'est Guyane anglaise. C'est bien de préciser ça, c'est Guyane anglaise. Absolument, George Town. Oui, Guyane anglaise. Merci Nixon Artiste. Bon, c'est ça. Ah oui, et de bon signal, hein, de bon signal. Même toujours dit, nous t'en débuts. Gauchen, César, le matin, M. Sayo Blahi. Nixon sont jeunes en devenir, ah, que je pensais qu'il gagnait l'avenir, si M. Kembeli, que moi le gagne. C'est ça. Donc, alors, moi, t'as dit que, comme membre CARICOM, gain ça relé la libre circulation des biens et des personnes qui n'est toujours pas une réalité pour Haïti parce que tout simplement bon ensemble de alors réalité pas nous montrer que si on permet libre circulation des personnes dedans et ben pas quelqu'un garantie ça veut dire prend niveau de développement Haïti par rapport à la Jamaïque qui fait partie de la CARICOM et ben yo estimé que si chaque Haïtien gagne accès pour la Jamaïque, eh bien, un nombre peut-être important qui est capable de. Donc, la libre circulation des biens et des personnes qui sont principes de base et non coopération régionale ça à travers la CARICOM n'est toujours pas une réalité. Et Fouane, c'est ça le constat. Oui, c'est ça lié. Grand pile l'autre avantage. Et pays caribéen offre l'autre que Haïti malheureusement pas la dernière parce que nous gagnons une situation extrêmement difficile quoi qu'on est et situation dans la caille tellement pas bon. Eh bien, il est difficile, il y a avantage pour au bord, sinon, on risque de gagner un haïtien qui envahit tout le pays, ça, pour qu'on haïti sans haïtien, si on pas essayer de mettre contrôle. Donc, il est important que nous commençons à travailler, pas bon, la caille, pas nous, pour nous créer travail, pour nous permettre à haïtien de gagner responsabilité à pas assumer la caille, et le haïtien a déplacé à la République Dominicaine, ou bien à Caraïbes, là. Yo, ouais, bon, son touriste, qui a venu visiter, ou bien son nek qui a venu garder si le cas fait business l'autre bord, ou bien son nek qui pral suivre une formation. Donc, c'est bon, nek qui pral peut elle paraît là son sans papier son bot people et puis ouais non l'aide donc son situation qu'on s'allie et c'est ça qui fait l'important et que autorité haïtienne yo est penchée sur ça pour améliorer situation pas bon la caille et cap gain conséquence sur tout l'autre côté qui gagne haïtien notamment dans Caraïbes là en République Dominicaine avant d'arriver dans l'autre côté route aux États-Unis la France Canada parce que jusqu'à jeudi la réalité a c'est ça lié. Alors, nous t'a dit Libegui et par contre si vous impliquez dans consultation pour nous l'autre monde t'a dit non yo parce que quand même et tractation va continuer et c'est pas tout le monde va en odeur de sainteté, j'ai la fête là parce que d'après ça n'apprenne la situation ensemble est pas facile pour nouveau président Jovenel Moïse. Jeudi a déjà nous 18 février. 11e jour président au pouvoir, nous pourrons gagner un premier ministre qui est nommé, parce que sous base constitution amendée, le premier ministre est nommé par arrêté présidentiel, il monte cabinet ministériel, il y a président, et ce n'est qu'après, il est présenté au niveau du Parlement pour aller voter, déclaration politique générale, c'est ça qu'après habilité au travail dans tête pays, si Zokal tombe dans le Parlement, eh bien, lui-même, avec tout gouvernement, il est tombé, la procédure recommence.
Absolument, c'est ouverture ça qui baille au niveau de la constitution amendée. C'est ça que fait le président privé a été nommé Fritz Jean. Fritz Jean était aux commandes pratiquement. T'es gon levé de bouclier, mais c'est justement gain des monde qui pour côté assimiler ouverture que constitution amendée a faite bail là, même gens gain des monde tout peut-être pour des motivations politiques qui t'ai choisi diaboliser question, mais j'en dis là Jovenel Moïse président de la République capable nommer premier ministre li, et c'est après nomination ça justement et que politique générale du gouvernement avec tout ministre bien entendu pour présenté au niveau du Parlement. Nous sommes une anomalie, lié Peggy, parce que faut que parlementaire yo corrige ça. Comment comprendre? Yo fin consulter Peggy Jean, etc. Regarder profil li, tout ça là qu'a fait, tout ça là comme travail. Yo désigné le comme ministre dans le gouvernement, et fin bail ou aval li, quitter toute activité, le travail pendant n'importe 2-3 semaines. Et ce n'est qu'après elle pour le présenter au niveau du Parlement. Là, il y a une déclaration politique générale. Le gouvernement tombé, tout le ministre tombé. Donc, nous pensons que c'est une procédure, il faut monsieur regarder. Et puis, qui pouvoir pour le ministre Langayen de les arrêter à sortir à le présenter devant le Parlement? Est-ce que le cas engagé des fonds de l'État qui limite l'action? Ça, c'est des flous. Moi, je crois que le pas engagé l'État, mais il est premier ministre. Oui, mais il faut qu'il légifère sur ça. Il faut qu'il tranche ça parce que bon flou et sous question. Mais il y a la sécurité, il commence à former l'équipe. Il est obligé de connaissance des dossiers. Parce que pour le présenter, évidemment, pour le présenter déclaration politique générale, c'est pas dans la rue à la sortie pour la bas à le faire. Il faut qu'il siège comme premier ministre. Faut qu'il prenne connaissance de dossier, faut qu'il parle à président, faut qu'il peaufine texte déclaration politique générale là. Donc ça veut dire son église qui fait n'importe où une à deux semaines, la travaille comme premier ministre. Et qu'il y a des dépenses l'État fait pour lui, même si probablement ce n'est pas lui-même qui va l'engager des dépenses, parce que quand même, il y a la sécurité qui est à disposition pendant tant ça, espace là, il est occupé, il faut le manger, il faut le boire dans un moment, il est sous compte l'État. Alors que, officiellement ou bien de manière concrète, il peut qu'on exerce ses fonctions de chef du gouvernement. Donc c'est un flou que parlementaire gagne pour résoudre. En tout cas, consultation va continuer, mais apprennent presque chaque secteur gagne pour émission dans poche et quitte ses secteurs privés, quitte ses parlements, quitte ses présidents et même Michel Martelly d'après ça rap dit et ta gagné pour l'impali. Donc Jovenel Moïse qui est dans une situation difficile et faut monsieur mettre garçon dans ta li, faut le prendre en consultation dans mes pays. Et qui route pour le point parce que c'est lui qui a voté, c'est lui le président, il faut le dégager le comète Jean-Jacques pour le grand premier ministre et discuter à parlementaire pour payer à un nouveau gouvernement. Bien, et c'est ça, France. Je pensais que Jovenel Moïse tiraille, monsieur entre l'enclume et le marteau. Ou gagne le secteur privé des affaires qui investit plusieurs millions dans Jovenel Moïse et en un certain sens qui ne voulait pas de encore, qui voulait gagner contrôle et pouvoir là. Ou gagnent le Parlement, nous constatons avec Charles Chancy, c'est presque une unanimité au niveau du Parlement. Par contre, on est sous prend le soin pour échanger avec des parlementaires en privé. Eh bien, mon cher, c'est presque une unanimité que ont campé derrière et Charles Chancy. Et c'est même Janto, PHTK, qui s'est parti, que Jovenel Moïse était élu sur Baniel Latou, voulait. Vini avec Moun Palto. Donc, Jovenel Moïse qui est dans une situation, t'as envie de dire difficile, mais je vous dis là, comme président de la République, donc il est fondamental que M. Mettel au-dessus de la mêlée. Et même tendez yon moun entourage Jovenel Moïse qui a essayé justifier le fait que un pile temps passé et moi tendez yon voix féminine que m'a pas identifié qui dit mais elle te dit au lendemain de prestation de serment la présenter à nation et au premier ministre pour n'ap konn ki est il dit là elle te dit au lendemain elle pas te vle dit nécessairement c'est demain et c'était un tendez approche comme ça. Non mais si c'est pour Jovenel Moïse depuis même 7 février elle te kabay li, mais Jovenel Moïse pas kabay premier ministre pour bay premier ministre faut qu'il assure elle que vous êtes ministre là, après le passé, et cap parlement, parce que dans ça, il y a un pays qui n'a pas de pays. C'est pas le secteur privé. Pas de pays qui a permis ça, je veux dire, comme si, pour nous, un premier ministre qui descend en bas, avec tout un gouvernement, et puis pour le tomber, pour nous recommencer encore, ben c'est important que y aller vite et bien, président avec président de Chambio, avec l'autre groupe au niveau du Parlement et même au niveau de la société civile, faut consultation ou aller vite et bien pour que gouvernement cap descend en bas avec premier ministre là, que y ait consultation qui nécessaire qui faite pour que le jeune aval les parlementaires on avance. Donc c'est pas secteur privé qui pourra chercher imposant premier ministre.
c'est pas PHTK pour voulez imposer pour l'impal. Oui, moi, je vais présenter M. Capnon. Naturellement, nous allons venir sur notre PHTK. Mm-hmm. Et PHTK, pas proposé, non, de façon formelle, de façon officielle. Gagné des noms qui étaient sortis, qui n'ont pas été endossés sur les réseaux sociaux. Yo. PHTK, après, fait sortir son note. Et le PHT qui a fait sortir notre là, il n'a pas même dit, dans notre là, je ne sais pas si je me trompe, il n'a pas même dit que notre que le fait sortir pour prendre distance par rapport à l'ISA, que yon moun mette dehors, il a même dit de façon malhonnête et que cette liste n'engage pas la direction du parti. PHT qui n'a pas même confirmé que c'est l'ISA 4 dans ça que le prend distance à aller. Alors tout le monde connaît que l'ISA 4 non qui est sorti. Mais PHT qui a dans notre là, Sali dit le condamné, fuite, c'était draft, qui pas utile, qui pas engagé du tout, ah. Nous présumer qu'il s'allie, mais PHTK pas endossé, justement. Par contre, vous comprenez. Oui, nous comprenons. Approche que vous faites. Mio, mi, bas, qui gagne la question. Mais c'est ça que fait, bon, ici, là, nous éviter, citer non, parce que, les questions citer non, elle est fragile. Il y a plusieurs années, Gabriel, on a dit, mon cher, il y aurait les m'là, il y a consulté. Pourquoi que mon cher, il y a toujours citer non, vous voyez? Pourquoi parler de ça, non? Mais les gars dit ça, et non, libéons citer. Oui. Pour vous qu'on attendait là. Donc nous toujours petit crasse éviter citer non sauf que gagne non quand même. J'entendais il fait gros bruit tant que Charles Chancy depuis bien avant et pour la chambre des députés et c'est président chambre députée il fait gros bruit dans l'actualité que c'est lui même parlementaire yo vle et ça fait débat dans les milieux politiques comme quoi c'est monsieur yo t'a vle au niveau du parlement comme président chambre députée député en fonction très connu bien connu mais il semble que dans l'autre milieu politique en face là il pas fait unanimité. En tout cas, nous beaucoup là. Tractation, ça n'est pas nécessaire. C'est le président de la République là qui gagne obligation légale que la Constitution en bas est prérogative pour nommer pour le ministre là qui pourra le former avec le cabinet ministériel là. En après, pour descendre au niveau du Parlement. Pour qu'à joindre aval parlementaire ou puis voter déclaration politique générale li capable habilité al travail comme chef du gouvernement et premier ministre parce que dans sa pays a il a pas qu'on ka permettre tête nous pour nous passer un mois deux mois trois mois sans que nous pour gagner un premier ministre dans l'interval dans l'interval hier m'te besoin alors m'te changer dollar en goudière. Alors, c'était 68 gouttes pour un dollar. Mais à partir de matin, il vous faut 70 gouttes pour l'acquisition d'un billet vert. Justement. Donc, ça veut dire son situation capée dégringolée, de nécessité que nous gagnions une politique publique qui favorise production nationale, création d'emplois, création de richesses, ouais, pour que dollar-là suspende déprécié par rapport à billet vert. Là, on dit assez avisé, qui dit Peggy, pour arrêter présidentiel, yo, président, c'est un mineur, donc président PACA engager l'État sans gouvernement, qui donc l'IPACA prend en qu'un arrêté sans l'IPA passer en conseil des ministres. Non, mais justement, le gouvernement qui en poste. Alors, monsieur Kouéke, faut. Ah oui, le gouvernement qui en poste. Alors, monsieur Kouéke, nous avons deux grands spécialistes en droit constitutionnel pour ouais, question. Alors, pour les directeurs généraux, selon la Constitution, les directeurs généraux sont nommés par arrêté présidentiel pris en conseil des ministres. Pris en conseil des ministres. Mais si le président nomme secrétaire général de la présidence, directeur de cabinet de la présidence, il n'a pas besoin d'avoir, si vous voulez, l'aval du gouvernement pour sa nomination. Ça, c'est ses collaborateurs immédiats. Absolument, au niveau du palais national. C'est bien. Ça. Alors, c'est ça, situation y est. Bon, en tout cas, en pile débat qui a été fait, nous comprenons de plus en plus tôt, secteur privé a pas voulu jouer rôle second plan encore. Mais vous voulez entrer directement dans la gestion de la chose politique et parlement qui a une mission légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Ouais, en pile fois parlement, voulez faire travail exécutif en tout. Oui, c'est ça que fait parfois, yo voulez que c'est quelqu'un des siens. La gestion directe de la chose publique. Oui, justement. Alors que, yo en gestion de la chose publique en édictant des lois qui vont orienter la société. Yo en gestion de la chose publique quand même, en un certain sens. Et en sanctionnant, en contrôlant l'action gouvernementale. C'est mais, ça.
yo vle et parfois yo confond yo avec exécutif là et ouais de plus en plus ba kon sou parler avec des parlementaires en privé kap di ou des bagages que yo pas nécessairement dit en public yo tout ces chances yo rien du tout etc. Oui, donc bon situation c'est très dangereux pour la démocratie. Bon situation bon, bon. C'est très dangereux pour la démocratie parce que comprenne bien et toujours dit les approches nous même c'est approche pays, c'est pas approche partisane et comprenne bien mission parlementaire là c'est légiférer, c'est contrôler action gouvernementale, la mener, qu'être sanctionné, tout ce que vous voulez. Mais lors en situation, côté que son parlementaire lui-même, qui premier ministre, ou bien son parlementaire qui met ton ministre, qui met ton directeur général, eh bien, on est d'accord avec une question contrôle là, elle presque pas existé du tout. Au contraire, c'est des mouns qui prennent harceler les ministres, là, ou le directeur général là, pour forcer l'agir dans sens intérêt, intérêt groupe, projet moun pa yo. Et là, ça, c'est pays qui souffre. Donc, il serait de bon temps que ni parlement, ni secteur privé des affaires là, et suspendre fait pression à niveau ça pour permettre que le président, le premier ministre, le gouvernement, le travail de contrôle là qu'a fait pi bien, a bon devoir de résultat. Si le ministre, le premier ministre, n'a pas délivré dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 9 mois, et selon ça, a gagné comme exigence et président et parlement, le ça pour sanctionner pour nous joindre monde véritablement qui a vu travail pour faire résultat. Mais ce n'est pas des monde qui a venir qui a dit, mon cher, c'est pas le manque de mettre, c'est député un tel, c'est sénateur un tel, faut me gérer, faut bailler passer bien. Le ça, si nous continuons à faire comme ça, c'est pays qui a crasé, c'est démocratie qui a crasé, puis plus, parce que le pas normal que ça continue comme ça. Et nous, j'en étais sous président privé, monsieur vraiment prend goût, c'est yo qui est président, c'est yo qui est ministre, c'est yo qui est directeur général, et secteur privé a lui-même pas voulu. Bon, le pas de jambe dehors, Peggy. Secteur privé a pas de jambe dehors. Quand il y a un pour la physique, il y a toujours gagné, il y a toujours gagné, pas personne interposé, mon cap fait bagaille pour yo. Peut-être qu'on y a, c'est mon yo ba la même qui pour là, en d'un gouvernement, c'est comme ça, il était toujours yé. Penser que c'est pas normal et c'est très dangereux et pays a c'est pas intérêt le cap défendre si alors, c'est comme ça continue tout à fait. Alors on salue professeur et Basler Clifford Basler monsieur vous en caricature bah non et dit qui illustrer ça me sort dire il montre Jovenel Moïse me t'a dit qui il montre visage lui qui triplé et qu'on voit qui dit pas oublier allié militant avec partisan patia pas oublier c'est nous qui t'ai choisi à CPHTK, gon l'autre voix qui dit songez faut qu'on gère nous dans parlement et gon troisième voix songez nous t'es investi dans campagne. Donc Jovenel Moïse qui doit chercher une synergie pour que li roule dans réalité comme ça et moi m'ajoute un quatrième Jovenel Moïse par rapport à ses électeurs quand même par rapport à ses électeurs voilà. Alors, vous comprenez bien, Peggy, si tous ces faucons envahissent tout espace pouvoir, bon, vous demandez le simple citoyen qui a obtenu et gain investissement fait dans le pays ou bien dans la zone pour que le pays a taralon souffre, la situation l'améliorer. Qui est-ce qui a parlé pour lui? Parce que si son gâteau, j'en ai dit là, tout se présente le pays comme ça, et c'est très mauvais. Et c'est très mauvais de présenter le pays à un gâteau pour séparer. C'est vraiment très mauvais. Citoyen, ça a capitaine, ou à prendre le côté lié, qui est-ce qui a parlé pour lui? Si chaque secteur a dit, c'est moi qui t'ai fait ceci, c'est moi qui t'ai fait cela, fuck! Yo prend moun, fuck, yo fait ceci, cela pour moi. Donc, là, nous ne pouvons pas approcher le pays du tout. Nous ne pouvons pas Haïti n'a pas lié à du tout. Parce que l'idéal serait quoi? L'idéal serait que un président, eh bien, il permette que le président qui fait campagne, qui a un projet, qui a une vision, il permet que le premier ministre, il gagne un gouvernement pour aller faire ça, laisser dire. Mais et pas pour permettre ça. Je pense que c'est Jovenel Moïse qui pour connaître que PHTK a été choisi, mais je dis en PHTK n'a pas cherché guider toute action politique. Mais c'est même pas là. C'est Jovenel Moïse qui pour connaître que. Secteur privé, ah oui, c'est vrai, t'es investi des millions dans la campagne, et nous, ça crivé dans le Grand Sud là. Quantité de conteneurs que Jovenel Moïse rivé qu'à aller pour Baïtol, pour Balboat, de Pacat, etc. C'est Jovenel Moïse qui pour rivé faire ça ou même ou t'es dim là, à savoir rivé concilier intérêt collectivité, hein, plus ou moins à intérêt secteur privé, même si parfois paraît opposé. Non, me dis pas que je ne peux pas faire pression sur lui pour c'est tel monde qui peut être ministre. Absolument. Je ne peux pas faire pression sur lui. Alors,
Il y a quelqu'un qui fait pression sur lui. C'est Jovenel Moïse qui ne peut pas prendre en pression, justement. Non, il y a un volume pression qui est de mon avant qu'on relève. Ou pas le président mineur, ou pas du tout. Ou pas le président par un courage. Non, pas du tout. En fait, si on est le président de la République, il faut le prendre responsabilité. Il faut le prendre responsabilité. La pression a toujours venu. Mais c'est chaque monde. Chaque jour, c'est chaque monde qui peut prendre responsabilité par eux. C'est sûr que c'est le président, il faut le dégager pour le délivrer parce que échec. Il n'y a pas qu'à venir expliquer pour que attention, nous avons pression. Non, il ne sera pas pardonné. Justement, faut qu'il prenne. Mais le monde qui a fait pression sur eux, ce n'est pas un public qui a fait. Parce qu'on n'a pas qu'il doit faire. Ça veut dire que les gens sont informels, qui est presque illégal que l'a fait. Il est là à côté de le faire. Mais en fait, responsabilité, hein, c'est à vous l'incomber. C'est ça que c'est le Parlement, l'incontournable. Et puisque c'est le président qui a nommé Premier ministre, et c'est le Parlement qui a ratifié la déclaration politique générale. Donc, et discussion, consultation qui est plus intéressant, qui est plus important. C'est avec Parlement pour le président Fell. Et là encore, il faut qu'on compréhension mutuelle qui dégage. Parce que le facteur temps, il est important en pile. Or, Haïtien, c'est une bagaille le plus pas géré. Haïtien pense là toujours gain temps. Et c'est pas vrai. Jodi, on a parlé là. Il y a des gens qui ont mouru dans le bon hôpital dans le pays. Ça pas fait bruit parce que pas de soin. Il y a un bon hôpital qui est en grève. Par exemple, actuellement, l'hôpital général, il y a un problème de dialyse. Problème de dialyse là que posé. Il n'y a pas qu'à faire de dialyse. Moi, entendez, docteur Menville, directeur exécutif de l'hôpital là, monsieur a expliqué que. Gon aide oui, de façon périodique que tu peux recevoir de Fatma depuis 7 mois pratiquement il pas recevoir fait que en difficulté. Donc, ça c'est ensemble de problèmes. Docteur Saint-Albin explique tout que ça va dépendre forcément de yo et sans blesser au niveau qui pire dans l'état ministère des finances gain difficulté qui fait que yo pas qu'on fait décaissement depuis plusieurs mois moi c'est depuis août décaissement fait pour l'hôpital général qui fait jodi a haïtien pas qu'à joindre soin et me parle avec un plusieurs monde dans diaspora semaine ça mon mibale dit que l'hôpital mibale c'est un pile problème oui bagaille ça révolté on parle qu'un pile compatriote dans diaspora bagaille ça vraiment révolté yo je dis pas possible pour nous gon pays qui gagne tout temps ça depuis l'existé pour nous pas gon l'hôpital pour nous bay mon yo soin pour nous pas faire dialyse pour citoyen donc ça yo pas arrivé comprendre ni ça qui fait nèg qui fait politique ici qui fait tractation qui passe dans pouvoir yo gagne obligation pour yo honte pour yo faire coller pour yo essayer bay petit résultat parce que nous pas à continuer comme ça avec qui nous pas à continuer comme ça c'est vrai son yo dit bon son pays pauvre nous connaît au fond c'est bon pays pauvre mais ça va vouloir dire pour nous bagon l'hôpital j'ai un président français a te dit l'elle devine ici il y a un pays pauvre et en Afrique mes amis gon minimum gon l'hôpital sous mon gon problème n'importe joulier n'importe l'un un jour qu'a joindre soin pas je mande l'éternel pegi pour un problème médical on dimanche non dans pays ça ou pas qu'a joindre médecin ou pas qu'a joindre l'hôpital qui a fonctionné pas gain soin sous pas gain cob liquide dans mon ou nan courir donc son pays définitivement mande ou côté le praler et c'est dans contexte qu'on sort nèg gonfler l'estomac yo mais gros cerveau yo mais langue ta heureux y a fait chelbe alors que nous sommes pays pratiquement pas existé puisque nous pas garantir citoyen même le minimum que les droits avec et les regarder cortège en autorité ah mon cher c'est un coup pays qui a marché c'est un coup pays qui a marché avec même 50 véhicules il a couru presque monté sur même comme conducteur dans la rue en fait ou qu'a posé une question qui côté pour aller ah ou parler de que rien pratiquement j'aime dire rien parce que en réalité si nous t'as réglé, si me prend les 30 dernières années, de 1986 à aujourd'hui, il y a déjà 30 ans, qui ça nous fait en termes de renforcement institutionnel, qui ça l'État, autorité au fait, pour garantir respect, et y ont ensemble de droits, et que ce soit, bon, on va parler de droits civils et politiques nécessairement, on va prendre la deuxième génération des droits de l'homme, les droits économiques, sociaux et culturels. Est-ce que pouvoir d'achat citoyen augmenté? Est-ce que citoyen a accès au logement? Est-ce qu'il a accès à la santé, à l'éducation, etc.? Donc, nous sommes pays, côté nous pas gain politique publique en matière, de population. Par exemple, est-ce que nous en mesure pour dire que combien nous y est aujourd'hui et combien nous serons en 2040 et qui politique publique appropriée justement qui en place pour permettre que en 2040 que nous en mesure pour nourrir toutes les bouches que nous pourrons gagner en 2040. Ça veut dire nous sommes une société qui a géré quotidien
etc. Et même si nous besoin qu'on combien nous y est en termes sur le plan démographique, oui, combien de population, c'est Fonds des Nations Unies pour la population qui pourra dire mais combien nous y est, etc. Donc en 2040, en 2050, combien à pied, qui politique publique qui prévoit que 200 000 timons qui pourra le faire d'ici aujourd'hui à 2040, d'ici à 2040, 200 000 timons, 300 000 timons qui pourra le faire, qui politique publique qui réfléchit sur logement, qui politique publique qui réfléchit sur éducation, sur intégration, sur tout élément sérieux. Donc nous sommes une société qui pratiquement est une société morte, Ndavadi. Donc c'est important que nous continuions à attirer attention à l'opinion parce que, en pile fois, monsieur Abdi, monsieur Damio Abdi, Haïti, nous aimons les pays, nous voulons les présidents, les députés, sénateurs, mais l'on arrive dans le carrefour, côté que vous obligé de faire sacrifice. Et au détriment de leur personne ou bien de leur clan politique, pour que yo prennent mesure cap bon pour collectivité, hein. Généralement, nous pas rejoignent yo. Mm. Et c'est ça, nous vivons dans politique, c'est ça, nous vivons dans l'économie. J'ai eu fonctionné ici comme dirigeant. Depuis 86, si ça nous dégaine comme structure en de pays, hein, nous détruisons. Et ça, seul, ça nous retient qu'a dit, c'est question liberté la parole, au minimum liberté publique qui garantit. Mm. Et même liberté la parole, là, nous, ça, je l'ai dit, je dis, hein. Côté n'importe qui est dit, n'importe qui ça, n'importe qui moun, voyez monter sans arrêter. Et qui vient faire que ou même à poser tête aux questions et en pile monde qui gagne 50 60 ans moi même parle avec au pays mon cher yo douce vrai yo te vivre une période sous dictature mais au moins t'es un minimum ou t'es qu'à déplacer sous Delma ou descendre la ville ou le cafou à pied si rad sous ou propre la brete propre. Attention, ou pas ta machine en fatra. Ou te gen inspecteur qui t'a inspecté et ti moun pas ta machine la ou pied à terre. Ou te gen chalan. Ou te gen inspecteur service d'hygiène qui t'a vin gade et bien toilette ou gen la kaywa. Même si c'est pour un confort moderne. Et bien gen produit ou met la den pour qu'on respecte nos mieux, pour qu'on pas déranger voisin qu'en face là. Te gen respect ti moun envers grand moun. La famille, te gen minimum li te kembe. C'est des valeurs. Jodi a, c'est la débandade. Nous, ouais, qui sa jeunesse nous entourne, ti jeune fille, nous, ouais, qui sa fave, ti garçon, nous, ça, ça y est. On y font passer dans club, dans restaurant, hôtel, motel, dans région métropolitaine. Ou comment ça veut dire? Gardez programme, petit souris, tu as fait. Ou comprenez, je dis à sa jeunesse, la devenue. Donc, ou bon pays qui a fini à tous les niveaux, et vous gardez moun qui a fait politique, soi-disant, qui pas comprennent rien, qui se tête, yo, poche, yo. Tout ça qui passe dans le pouvoir, vient millionnaire, et puis il y a une pipe. Tout à fait. Alors, France, le Sénat a désormais 26 membres, si je ne m'abuse. Oui, oui. Guy Philippe, depuis sa prison, accuse Yuri la torture. Il y a les quatre sénateurs Lavalas. Dossier UCREF, un nouveau rebondissement avec l'audition de l'ancien candidat à la présidence, Moïse Jean-Charles, à titre de parti civil, etc. Et c'est autant d'autres faits marquant de l'actualité de la semaine. C'est ça. Je vais faire un petit point rapidement sous question Guy Philippe qui dit que Yovin Dil de prison est en Miami, que c'est Yuri la torture à cal parlementaire Lavalassieux qui t'a impliqué dans livraison par l'autorité américaine. Yo. Et moi-même, si comme en Haïti, des biais politiques, tout ça est possible. Mais si on a essayé de faire une analyse logique, Peggy, on comprend que politiquement, Guy Philippe a Yuri la torture, il n'y a pas tardé trop loin sur le plan idéologique. Parce que déjà, Peggy songe en 2004, pendant que Philippe Taxam avec les rebelles du Nord a fait mouvement et contre Jean-Bertrand Aristide pour aboutir à 29 février 2004, Yuri la torture avec l'équipe Blitz est après le principal bénéficiaire. Mouvement ça, puisque les jeunes la torture nous comptons que Yuri la torture était joué. Et c'était l'homme fort, c'était le puissant homme à l'époque qui t'a mené question sous et Gérard la torture comme premier ministre. Mais comment tu comprends aujourd'hui hein? Pour cet aïeux il a tortu qui t'a canon complot pour livrer et Guy Philippe son interrogation par rapport à mouvement politique monsieur Omené. Mais en même temps tout m'a toujours dit que m'pas qu'à comprendre le silence du Sénat de la République, la timidité des parlementaires sur cette question, côté que chaque député ou bien sénateur ou bien invité nos émissions ou a fait débat avec eux, debout vienne sous question ça. Jean-Pierre Guiré me dit, la nèga presque entré en bas table là, tellement le rétréci t'y colle, li pas voulait parler sous question. Donc, nous pas arrivé comprendre de ça. Ou bien presque tout gain pipi le sujet ça va. Oui. Et puis pipi a long en pile. Voilà, nèga allez loin. C'est à l'étage là. C'est comme si c'est ascenseur nèga après presque pas j'aime tourner. Donc, li important que c'est vrai qu'on note et équipe Yuri la tortue fait sortir pour clarifier les questions. Mais li important que quoi là, le Sénat de la République, et gagnons attitude qui montre, qui démentit au moins sa cap d'yo pour nous garder plus clair.
Parce que là, on flou, nous déjà pas comprendre ça que dit, et par rapport à positionnement de monsieur sur le plan politique, et mouvement, yo, chaque fait, à des moments bien spécifiques. Donc, sur le plan idéologique, rapidement, pourquoi, ouais, Youri la tortue, non complot comme ça, mais ça pas veut dire forcément okay. que son bagage qui est possible, puisque nous connaissons qui j'en ai fait politique. Bien. Moi-même, moi, j'ai l'autre lecture qui à peu près est différente de position que vous exprimez, en France. Vas-y. La première chose, je pensais que dire, c'est pour un wash lié. Ça veut dire yon bagay que yon levier, m'dava dit non, ti pays, décide que la psouke à gauche ou à droite. Diye, c'est les États-Unis. C'est politique américaine en termes de lutte contre le trafic de la drogue et dans la région, pour ne pas dire dans le monde. Ça, c'est un. La deuxième chose, si je dis yon se tava yori la tortue, m'bien dit ki tava, parce que m'a pas trop sens parole ça. Si je dis yon se tava yori la tortue avec quatre sénateurs Lavalas, et le te gen deux opérations pour déloger Guy Philippe. Sous présidence Matelio, qui est-ce qui te vle? Qui est-ce qui te vle vanli? Moi, m'pense que, en fait, faut que Philippe t'a dit qui est-ce qui te vle vanli, le sous Matelli, te gen deux opérations qui cible lio. Moi, m'pense que, bah, là, on t'y j'en simplice. Alors, quand pile débat qu'a fait sous l'après Jovenel, qui t'a déjà commencé à dessiner, entre yon monde tant que Youri la tortue, et qui capable gen ambition pour l'accéder à la présidence de la République, et yon homme tant que Laurent Salvador Lamotte, etc. Par exemple, moi, ouais, yon texte sur réseaux sociaux, qui a circulé, qui montrait que Guy Philippe en difficulté économique, Lamotte aurait dépensé $50,000 américains pour question même payer avocat, Guy Philippe pas qu'à payer, et que c'est dans le sens on dit à la mode. À quelle fin? C'est un coup de tafond dit à la mode pour le fond déclaration qui pourra le down, qui pourra le baisser, Youri la tortue, en façon que t'as cap profitable, à ancien premier ministre Laurent Lamotte. Là encore, m'pas. Parce que songez bien, on va enchaîner Peggy, songez bien, position Youri la tortue occupée aujourd'hui, les secteurs qu'on cafou obligé, pour Laurent Lamotte, joindre des charges, pour ça qui t'a habilité le vin candidat à la présidence. Donc c'est vrai, j'en ai gueule à utiliser question des charges au niveau de du Parlement, son scandale. Côté qu'il y a marqué moun sous plan politique, qu'il y a utilisé pour ça, lorsque yo même yo baye tête déjà, c'est un scandale. Oui, la réalité, est-ce qu'elle est? Monsieur, aujourd'hui, il y a un important député et sénateur pour négliger une décharge, vous mettez gêné. Tout à fait. Absolument. Ensuite, maintenant, et il ne fait aucun doute que le Parlement a peur du dossier. Le Parlement a peur du dossier Guy Philippe. Pour qui ça vous peur? Naturellement. Moi, je me donne un pile spécialiste. Question résolution, question dénonciation de l'accord. On t'a dit ça déjà. Il y a pas sans conséquence sous image BIA, non? Dans une société qui a une justice qui est faible, il y a un monde qui n'a pas arrêté, mais puis mon nom fait un an, deux ans, pas arrêté le vrai, etc. Il passe à conséquence. Non, je me songeais, Fritz Dorvilliers, docteur Fritz Dorvilliers, qui dit que ça a baillé un isolement, il y a considéré comme un état voyou, comme une destination où on ne peut pas aller, etc., etc. Bon, naturellement, ça lui-même, d'un point de vue nationaliste, ça nous sort dit là, contraire à toute velléité nationaliste. Maintenant, si on veut que le Parlement prenne une résolution sur le cas Guy Philippe, tout de suite après résolution, on va demander pour le président Jovenel Moïse, puisque dénonciation au Parlement pas qu'à faire, tout de suite résolution on fin prend, on va demander au président Jovenel Moïse pour renoncer, pour dénoncer l'accord là, oui. Pas forcément. Résolution n'a pas un caractère. Mais ça crive. Ils ont été accusés président privé. Et en même temps, des gens tels Joseph qui te font approche comme ça, qui sera notre invité aujourd'hui, du consortium des partis politiques. Au passage, je pense que M. fait montre d'un certain courage. De grand courage. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Parlement n'est pas gagné immunité. Oui, le monsieur Kempe, le chef de parti politique, pour le Kempe qu'on s'en dossier face aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. Il mérite. Mais bonne question que moi, t'ai posé, Jean tel Joseph. Nous sommes tijan coulés en bas question. Alors, montrer que, où sont les alliés naturels de Guy Philippe en 2004? Ceux qui avaient fait 2004 avec lui en 2004, où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi pas une certaine solidarité par rapport à cet homme en difficulté? Bon, moi, je n'ai pas su réponse que le débat. Oui, je dis les mêmes responsabilités que le préparé. Bon, maintenant, alors, il a été accusé président privé à cette question. Jodia nous dit que c'est exécutif là pour dénoncer. Donc, faut que même monde qui t'a pas accusé privé,
faut même monde qui croit que le Parlement doit prendre résolution. Tout de suite après résolution, le président et le chef de la diplomatie, faut que vous avez demandé le président Jovenel Moïse Konya pour le dénoncer. Ça veut dire, si vous demandez le Parlement résolution, mais vous êtes d'accord que le président Jovenel Moïse fait le silence total sur la question, là, je pense, là, il manque un équilibre dans la question. Mm-hmm. Donc, c'est une question qui grand pile en jeu. C'est une question qui grand pile en jeu. Pas un mot de la nouvelle administration autour de cette question pour le moins épineuse. Et s'il y a une résolution du Parlement, suivie résolution, c'est la dénonciation de l'accord en question par le chef de l'exécutif. Moi, je comprends l'approche. Moi, je pense que c'est le problème. Je ne vais même poser le niveau question de dénonciation accord parce que ce n'est pas accord avec problème en réalité. Parce que texte n'a pas l'air, accord 17 octobre 1997, Madeleine Odlai Albright, secrétaire d'État américain, était signé avec le président René Préval, pas qu'à quel côté il prévoit que d'hier qu'avait prend un citoyen ici pour y aller avec eux. Pas qu'à quel côté il prévoit ça. Donc, je pense que question de dénonciation accord, ce n'est pas même ça que problème. C'est dirigeant haïtien justement pour assumer responsabilité yo, pour suspendre comporter yo comme traite le pouvoir. Dénonciation accord, c'est pas pratiquement ça que problème, non? Parce que ça que fait là, il va en accord. Donc s'il va en accord, c'est pas accord problème, non? Si c'est accord qui servit de prétexte pour dirigeant haïtien comporter yo comme traite livré haïtien, c'est dirigeant haïtien pour prendre responsabilité yo. Donc le problème n'est pas dans l'accord parce que texte là que m'limoué, l'in fait débat sous li, nous discuter dans l'université ou bien la radio, pas dans quel côté. Dans le texte là qui prévoit que les citoyens ont arrêté ici et puis ont livré le temps qu'on colis les États-Unis d'Amérique. Pas que ça du tout. Tout texte là parlait de poursuite en mer, poursuite dans l'espace, si vous avez une collaboration pour question de drogue. Alors en mer là, c'est territoire pays. C'est territoire pays. Oui, c'est ça. Si vous avez couru d'ailleurs sous la mer, comme nous n'avons pas un moyen, les États-Unis qui accompagnent nous pour poursuivre nous, pour prendre. Même gens tout, Haïti, si vous avez un moyen, les moyens qui accompagnent les autorités américaines, les bateaux haïtiens, qui ont couru des gens qui impliqués dans la drogue sous la mer. Aux États-Unis. Alors, problème que m'gagne. Donc, le problème n'est pas dans l'accord. Mais problème que m'gagne, il y a une hypocrisie dans la société. Hypocrisie, c'est que, moi, t'étendais en pile voix qui estimait que, président privé a dû dénoncer l'accord là. M'attend toute voix, ça a continuellement des nouveaux présidents pour le dénoncer. Quoi, hypocrisie? Là, c'est Jacques, fuck, moi, c'est là, là, c'est Pierre, etc. Donc, maintenant, c'est ça que fait me dire que, si c'est Tavayou et la tortue avec quatre sénateurs Lavalassio qui livrait monsieur Jean Abdil, là, deux opérations que t'es faites sous Matélio contre Guy Philippe, yo, qui est-ce qui t'a livré? Donc, m'a continué à écouter mieux. Ça veut dire qu'on, gon incohérence, gon question de laisser Jacques comme si map courir frapper, laisser PM cacher, etc., etc. Moi, je pensais que question beaucoup plus profond que ça. Et que si il y a des accords tacites que l'État signe, nous pas connaît, à quoi ça a, mais il y a des spécialistes en droit qui montrent que à quoi ça a, dans l'État que l'y est là, et il y a un avocat qui te fait valoir position ça là, dans l'État actuel à quoi là, li bail pour le moins une logique d'extrapolation li bail une certaine ouverture. Voilà pourquoi au départ, au lendemain de la capture, de l'arrestation, comme tu veux, et son mouvement de la livraison de Guy Philippe. Et moi, merci, et bah, ouais, moi, je reprends, moi, ça, dans le texte, j'ai été dehors, et t'as fait débat. Alors, yeah, c'est ça. Alors, débat, bah, ouais, c'est pas ton débat que t'es été sur le cas Guy Philippe, c'est ton débat qui t'es chita sur une pratique qui datait d'une quinzaine d'années dans la société. Oui. Parce que, en réalité. L'arrestation des citoyens haïtiens et leur remise aux autorités d'autres pays. Absolument. C'est remise l'homme d'apprécier notre texte parce qu'il ne faut pas parler d'extradition. Oui, parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une extradition. Tout à fait. Donc, il y a tout débat ça qui fait dans la question. Je pense que faut que nous abordions des questions de façon plus sérieuse. Maintenant, dossier UCREF. Contre question blanchiment qui ciblait président, Moïse Jean-Charles constitue tête de parti civil, on pourra en parler tout à l'heure, et monsieur Tal devant juge instructeur là. Alors d'abord, on a dit que c'est commissaire du gouvernement. Alors en réalité, juge d'instruction travaille pour commissaire du gouvernement. Il pas travaille sous dépendance commissaire du gouvernement, parce que commissaire du gouvernement et juge d'instruction totalement indépendant.
par rapport au commissaire du gouvernement, mais le travail qu'il produit, il le fait pour le compte du commissaire du gouvernement. Ça veut dire le suivi à faire, c'est commissaire du gouvernement. Donc si commissaire du gouvernement insatisfait, est capable de dire et je pense qu'on a approfondi plus, oui, mais quelques éléments qu'on a approfondi plus. Donc c'est ça que dans ton léger t'es fait, et dans ton léger t'es cité des noms, dont la première dame Martine Moïse, Moïse Jean-Charles, qui s'est constitué partie civile, et d'autres citoyens, dans le sens que le tas d'avis que juge d'instruction entendait, Mounzaïo. Juge d'instruction a commencé, tendait, et premier citoyen que l'étendait, c'est Moïse Jean-Charles, ancien candidat à la présidence, ancien sénateur de la République. À sa sortie du cabinet du juge, Moïse reconnaît que l'instruction est secrète, mais monsieur dit qu'il parle côté Jovenel Moïse pour le sortir là, pour information que le connaît, que le soit bah, juge là, etc., etc. Donc, c'est encore un dossier pendant au niveau de la justice qui, quand même, Kembe et actualité semaine en France. C'est ça, son dossier qui était tout l'ouvrit, tout que nous suivons. Et nous ne pouvons pas parler de. Et, alors bon, Moïse Jean-Charles va dire l'autre bagaille, puisque nous connaissons Moïse Jean-Charles, son farouche opposant à l'équipe, et tête calée notamment. Et donc, nous pouvons suivre ça, dossier ça, bagaille, puisque il y a un coup au niveau de la justice. Et faut que nous signaler que, bon, le a fait de la guerre, et qu'il faut que nous signaler quand même, pendant que nous parlons là, qu'il y a une pile disposition qu'il prend au niveau de plusieurs villes, et pour gagner un carnaval. Demain, c'est carnaval national et Jacques Mel, jeudi à demain. Et Gonaïve, il y a un carnaval. Et carnaval national, c'est au CAI semaine prochaine. Donc là encore, c'est une heure fois nous avons Port-au-Prince, c'est semaine prochaine. Oui, Port-au-Prince, c'est semaine prochaine. Même Jacques, au CAI, carnaval national, là, c'est au CAI. Mais l'administration communale Port-au-Prince prend disposition tout, ils montent en équipe pour faire un carnaval, Port-au-Prince tout. Et il dit que pour carnaval Port-au-Prince, il y a des groupes. Assez important, il faut le dire, tant que Borders passe, et si enquête mène sur, il dit sexy pentade là, on carnaval vraiment pile. Il dit même madame, on va l'autre pour ces sexy pentade. Alors, moun kap di, c'est ça que fait Mavo face à face, ou ap di si c'est vrai, Chalet, Voix des Îles, Ram, Borders passe, avec plusieurs lots selon le comité carnaval Port-au-Prince pour le performer. Moi, j'entendais un bon signal, sénateur Don Kato, lead vocal Borders passe, qui même dit que c'est. Il y a prêté même au-delà de l'heure, tellement, etc. Oh, etc. Sénateur de Kato, oui, est-ce que c'est vous, Rémi Sexy Pentadou? Non, pas auditeur, on connaît. Nous, dans le moment vérité, France. Je dis que Sexy Pentadou, là. Sexy Pentadou, là. Quel est tellement Rémi qui va parler de lui? Non, je dis que Rémi. Non, moi, Rémi. Ou fou pour lui. Là, on va regarder le contenu Sexy Pentadou, là. Moi, je vois coq qui vient Pentadou, moi, je vois Pentadou qui vient coq. Non, ouais, que son transhistoire, son réalité sociale que Carnaval a décrit. Ok? Mais, question remède, Carnaval là. Moi, je me dis, question remède, ou pas, je dis remède là. C'est problème, ça, moi, gavo. Ça, c'est une blague. En tout cas, c'est vrai, on parle de Don Kato comme. Moi, Carnaval en général. Mais Don Kato a un pile travail pour le faire parce que Carnaval, il voit l'alpha en bas comme sénateur. Moi, je suis désolé. Et dans le département de l'Ouest là, Don Kato représenter bon voulez pas le Don Kato représenter me pas que Don Kato ce carnaval ligue pour l'alpha en bas pour le délivrer et me penser faut que par exemple un problème avec l'artiste tout le monde connaît qui décrit situation yo qui fait passer non c'est pas Don Kato qui fait carnaval là mais c'est le groupe Borders Passy non il chante qui gagne non, il y a aucun problème. Un sénateur de la République qui problème qui gagne et ou pas qu'à performer c'est faire carnaval on n'a pas parlé d'un sénateur de la République. Il a fait carnaval. Moi-même comme citoyen. Il y a un monde qui est médecin, qui est sénateur. Est-ce qu'il ne va pas travailler comme sénateur? Moi-même comme citoyen. Ça dérange moi parce que dans l'Ouest là, son citoyen représenté dans le Sénat et de ça m'a parlé. C'est pas ça m'a pas attendu. Mais donc il y a un sénateur qui est médecin. Est-ce que le pas qu'à professer la médecine pendant que le sénateur? Pour qu'il y ait un artiste qui sont profession tant que toute profession, il n'y a pas qu'à créer un titan. Pour lui œuvrer comme artiste. Non, pour moi-même, il dérange. Il a toujours fait comme de fait. Mais moi-même, comme citoyen. C'est ça que je voulais expliquer. Non, mais expliquez. Moi-même, comme citoyen, il dérange. Parce qu'un sénateur, bon député, c'est pas un carnaval de la performer. Médecin qui sénateur, médecin qui sénateur, on n'a pas d'accord de consulter le monde. Comment pour même s'il t'apprend un week-end pour le recevoir des patients, pas d'accord. Non, ça, c'est l'autre question. Parce que c'est dans le Parlement. Non, ça, c'est l'autre question. Un médecin, bon, sous exemple, médecin, on carré sous lui. On a prêté son monde. En tout temps, en tout lieu qu'a utile,
à la société parce que ou bien dit le médecin son monde qui a la vie yo artiste son monde qui a non moi même comme citoyen non je suis désolé moi même comme citoyen nous gagne pas jamais d'accord sur ça avec Guy comme citoyen comme électeur comme monde qui dans l'ouest comme haïtien moi ça a dérangé même gens ça a dérangé pour des nèg tant que Garcia Delva monsieur généralement monsieur attention non en fait mais ça me pas comprendre m'tarrêmer qu'on dit que mettre tel sénateur qui est plus efficace que Don Kato, parce que le pas fait carnaval, c'est le seul parlement l'été. Non, je ne vais pas le comparer. Non, pour moi-même, c'est un gros mal. Non, comme citoyen, comme on a parlé de pays, et le pas concernant quel pays. Moi-même, je voulais que l'ENAP fasse approche en dépit de tout. En dépit de toute passion. Ou quand un président en fonction qui fait carnaval. Non, m'a dénoncé le même genre. Hein? M'a dénoncé le même genre. Oh, en dépit de toute passion, bien sentiment qu'a gagné pour mon ou bien pour l'autre, le n'a pas les pays distance ça fon prendre. Et c'est une rare pays nous bail vieux signal ça yo. N'est-ce l'autre pays ou a jeune ça? Non, non, ça pas vieux signal. Pas fait ça. N'est-ce l'autre pays ou a jeune ça? Pas fait ça. Ensuite, s'il te vieux signal ou pas ta prendre main c'est que tu de l'argent. Non, là non là monsieur, là question de faire c'est que tu de l'argent là quoi faire. Oh, tu as au fond ça. Non, ça est blague faire là monsieur. Non 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 non. Ou danser. Ou pas madame ou l'autre pour danser. Pas fait ça monsieur. Ma frère que tout côté ou passé, c'est nous. Ah, il faut sérieux, pas fait ça. Oh, tu as connait blague faire. C'est tellement aimer c'est que tu de là. Qu'on y va passer par moi-même. En fait. Oh, dit tu aucun beau. Non, mais moi-même m'a dit pas de problème. Non, on dit que moi-même. Parce que non, mais sacrifié. Et ben là ma bataille député on carnaval ça. Pas de problème à carnaval là lui-même. Réalité sociale non. Non, il pas la mienne. Non, pays pas faire confusion, pas faire amalgame. Pas de problème avec texte carnaval là du tout. M'pas entrer là-dedans du tout. C'est pas la mienne. Moi me dis moi-même, les m'a fait bilan, un sénateur, un député, pays, il pas capable c'est sous base carnaval ou produit pour me faire bilan. C'est la mienne. Non. Même genre. Même tu fais qui ses positions. Ça veut dire ouais, m'a quoi faire pas faire me changer ses positions qui t'aime enchaîner. Même genre. Même genre tout gagne des députés à des sénateurs, moi capable accompagner des groupes qui gagne problème ou bien côté marché boulé ou bien cap marché un peu partout à travers le monde dans conférence. Et pas ça vous fait comme député comme sénateur. Je suis désolé. Moi là m'a pas le pays, m'a pas les sort gagner comme responsabilité. Député sénateur forme joindre en bas fait débat. Femme je nous une commission très actif, femme je nous une enquête, femme je nous une contrôler ministre, femme je nous une contrôler gouvernement, c'est là pour me genou. C'est pas activité ça qu'a pas empêché chauffeur. Pour soi gagner comme responsabilité député sénateur, ou pas gagner comme si m'dadou dans le marché, chaque côté gagne deux monde qui gon problème, on va rencontrer avec accompagner ou pas magistrat communal ou pas zèk ou pas casse. Non non. Parce que moi-même, m'a pas le pays là. Responsabilité la loi ba un député, un sénateur, un président, un ministre, un directeur général, c'est là mieux. M'a n'est comme si fanatique, passion. Non, m'a n'ni moi même que ça. Comme on toujours fait approche sur le plan institutionnel. Principe institutionnel. M'a fait sur le plan institutionnel avant. Nulle part dans la législation haïtienne, il n'y a pas gagné des professions. Par exemple, il y a un monde qui est sénateur, qui est député, il n'y a pas qu'un avocat. Ça veut dire dès que tu es avocat, il y a avocat. Livine en incompatibilité, il n'y a pas qu'à exercer profession avocat. Il n'y a pas qu'à exercer profession juge là, pendant que il est sénateur. Mais il y a un monde qui est sénateur, qui était déjà gagné l'autre profession, que le t'es médecin, que le t'es artiste, artiste à son profession, tant que toute profession. Ok? Non, de ce qu'il y a qu'une erreur d'artiste. Pardon? De ce qu'il y a qu'une erreur d'artiste. Donc, si c'est là le cas utile pays, il n'y a pas de problème. Non, mais qui t'aime son bagage? Pas de problème, non? Ou pas qu'à dire que telle profession, plus important que. Bah, dis ça, bah, dis une plus importante que l'autre, bah, dis. Non. C'est sorti l'autre, non, bah, là. Si c'est là où qu'a performé, si c'est là où qu'a performé, qu'a utile pays, il y a qu'un moment, mais c'est vrai que là. Tendez bien. Moi, je suis triste, c'est comme ça que je me représente au niveau du Parlement pays. C'est la mieux. Attendez bien. C'est la mieux. Mon nom une profession que la peut exercer. Pas de monde qui vole avec ça. D'accord, c'est ça. La loi n'a pas dit que profession artiste là est compatible à l'exercice de la fonction du Parlement. Non, mais la loi n'a pas besoin de ça. Non. Si vous pas limité à ça la loi dit, l'élite dit tout va faire injustice. Non, au contraire, malé au-delà. Si un bagage est bon, même si la loi pour qu'on dit, il m'a fait. S'il pas bon tout, même si la loi pour qu'on dit, il m'a fait. C'est l'ami. M'a fini. Maintenant, nous pas qu'à décider d'un bagage qui pas bon si c'est pas la loi qui dit que il pas bon. OK? Sinon, chaque monde tape une liste de bagage qui pas bon, on l'autre gon l'autre liste contraire qui dit un bagage qui pas bon. Nous acceptons vivre en société, son société qui gérée par des normes. La loi prévoit
ça qui pas ça qui doit sanctionner ça qui pas doit sanctionner. Maintenant yon moun qui sénateur ça pas empêcher que les médecins même gens ça pas empêcher que le médecin même gens qui font follow même si samedi que le parle dans parlement que le passer dans clinique les consulter deux patients c'est même gens ça qui attise là tout capable utiliser ne serait-ce que week-end que le pas travail au niveau du parlement pour l'alphonse on ne parlementaire choisi le pas travail pour le performer comme artiste attendez bien n'a pas au pays attendez bien non attendez même pas d'accord avant non pas besoin qu'on pas d'accord avec même pas besoin d'accord avec non plus n'a pas au pays t'as beaucoup fini non pas au pays ou d'accord que l'al performer comme médecin n'a pas au pays taxe moins pas payer nèg ça taxe pas payer ou d'accord que l'al performer comme médecin non c'est pas que pas font comparaison pour ça dit comme ça c'est non, la vie, c'est pas font comparaison. Ou ça dit c'est la vie, c'est si cela. Non, pas font comparaison. Non, mais mon soit d'accord qu'il a performé comme médecin. Bah dis ça, bah dit qu'il a performé comme médecin. Ou on est sénégalais parlementaire, il pas capable fonctionner dans clinique comme médecin. Peggy, il est capable de faire amalgame. Non, il est capable. Il pas capable fonctionner dans clinique. Comme si pour le faire journée dans la clinique comme médecin là-bas. Maintenant, ça qui arrive pendant les gars à la CAE, les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont bien avec les problèmes ponctuels, ils font intervention. Ils font frère médecin éventuellement. Ils font frère dans la clinique. Comment? Ils font frère dans la clinique. Ils font frère dans la clinique, même pas pour le faire journée dans la clinique après ce roi Moun. C'est ça ma blague. Non, c'est mieux que ça. Pas dans la journée avant. La journée, c'est où qu'ajouter. Mais c'est ça ma blague. Mais ils font frère dans la clinique, ils pas interdit. Point barre. On pas parler d'interdit à quoi interdit. Eh bien voilà, c'est ça. On pas parler d'interdit. Eh bien c'est même genre tout. J'ai même genre tout. Parce que moi je pense que faut ne pas minimiser des professions par rapport. Non, pas ça, c'est pas ça qu'a fait là du tout. Non, mais pas ça fait là. Moi je dis déjà comme artiste qui performe en pile monde mais pas de problème sur ça du tout. Mais là, m'a parlé de pays, m'a parlé d'un sénateur de la République. Et peut-être en pile qui sénateur qui n'a pas même compte ça veut dire un sénateur de la République non pays. Et c'est là moi même mon drame. Je ne vais pas parler de questions de texte carnaval, de profession, de remède, tel de paramètre. Je ne vais pas parler de pays. Même si je me saute d'où là, où un député, par exemple, m'a cité l'autre. Non, un député à coup de Jerry Tardieu, par exemple. Un député à coup de Jerry Tardieu, par exemple, pays. Son député respectable qui accompagne un pile monde. Mais c'est pas pourquoi là, on a obtenu. C'est l'exemple ça, on m'a pas où. C'est là, mais on pas fait ça. France, un étudiant en droit qui dit comme ça, tu ne dois pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Ça veut dire la loi classée. Les professions incompatibles à l'exercice de la fonction parlementaire. OK? Dès que la loi pas interdite, ou pas qu'à extrapoler, comme si on allait plus loin que la loi, et puis vous-même, si vous étudiant, m'pap fond débat juridique, m'pap n'a question à ça la loi dit, à ça la loi pas dit. On a quitté ça, Fran. Citoyen, très avisé quand parler de pays qui a des attentes par rapport à des élus. C'est là, bon, maintenant. C'est là, mieux. Maintenant, et comment. M'pap n'a question comparée. Comment est contenu et carnaval, sexy, pétale. Non, ça c'est moi qui m'en dois qu'on y a là. Même pas analyser le texte. Mais la passe là. Avant obsédé par sexisme et tâche. Mais la passe là maintenant. C'est pour vous me faire passer le même. C'est pour vous me faire passer. En fait, parce que Gomba est arrivé. Gomba est arrivé. Pas moi si c'était toi. Là-bas, ils ont bien dit qu'on remèle. Et bien, qu'est-ce que nous a? Tout le monde dit ça. Tout le monde dans la radio. Non, tout le monde va dire que je me fais. Non, c'est pas votre gars. Ouais, c'est pas pris. Mon pas de télévision là. Pas de bon, de toute façon, même penser que. Non, il y a aucun carnaval pourvu que vous pensez que. Mais là, n'a pas les pays. C'est un minimum effort pour nous faire. Moi, je me révolte par la situation. Des gens qui parlent de Wolio, qui font n'importe qui ça, sous prétexte que c'est politique, que c'est groupe PAM, que c'est pas groupe PAM. Pays a fatigué à bailler ça. Vous comprenez? Donc, moi-même, comme citoyen, ça gêne. Et m'a regardé l'autre pays, j'en sais fait. Pas qu'il y ait sur aucun autre côté. C'est pas là pour permettre de faire toute bagaille parce que c'est Haïti. C'est pas un carnaval le problème. C'est là, mais l'imposer là dedans. On nous cherche, lui. L'imposer là dedans. On nous cherche le côté de poser. Oui, carnaval pour tout le monde. On est député sénateur, on est gars, il marche chanté, perdu. Et puis, il y a un débat en bas, on va jouer ni. Les boules à l'altra. On est gars, touche à taxe citoyen. Il y a une séance, il n'y a pas là, ou il n'y a pas un courant. Et puis, il y a un chèque, les gars, chaque mois. Qui est-ce qui fait ça? Des parlementaires généralement pour raison politique. Mais c'est l'ami moi-même. C'est l'ami. Oh, c'est taxe moi avant qu'à payer. Non, on va arrêter sur Youn, puisque c'est un problème qui presque général. C'est ça. En tout cas, carnaval Port-au-Prince, là. Bon, quand même, moi-même, c'est Port-au-Prince, ma pied. Et je n'ai pas même moyen avant qui est capable d'aller dans le sud. Et gagner un chalet qui a intervenu, qui a performé, qui a une voix des îles qui a performé. Ram, mais c'est pourquoi il confirme Ram à 100%, par contre, il confirme pendant la Paléa, Borders Parsi a performé, Barricade Kou et avec plusieurs lots a performé dans le cadre carnaval Port-au-Prince. M'entendez comité organisateur là, et par la voix de porte-parole Junior et Rigolo,
qui est annoncé que d'ici la semaine prochaine, il va commencer à faire érection de stand. Il va commencer à construire le stand et dans le même espace que nous sommes habitués à construire dans la zone champ de masse là. Mais bon, c'est comme ça la situation présentée. Alors, avant d'observer pause de l'autre France, la Saint-Valentin, c'était en début de semaine. Et c'est la fête des amoureux, dit-on souvent. Et, ou pas de fermer téléphone depuis 13, yo dit qu'il y a un monde depuis 13, yo ferme un téléphone yo jusqu'à 15. Ou pas de parmi monde qui fait ça, non? Bon, pour moi, Saint-Valentin, c'est une blague. Et, c'est plus on va être commercial. Mon yo vend un pile chocolat, l'autre cadeau, etc. Même parce que mon pas besoin, c'est Saint-Valentin pour offrir ménage ou bien madame ou bon bon ami, un chocolat ou bien un petit cadeau. Je pense qu'on fait chaque jour, bien chaque jour, une occasion pour ça, chaque jour, une possibilité pour ça. Pour moi-même, je fais ça généralement depuis que je suis petit, je ne fais pas ni trop chaud ni trop frais, parce que je vais toujours essayer d'avoir l'autre compréhension de réalité. C'est vrai, dans l'euphorie, où je viens de plonger là-dedans, tout paquet de boutiques chargées, je vais acheter chocolat, il y a un couple qui crase parce que les gars vont acheter chocolat ou les filles vont acheter ça. C'est très malheureux parce que nous vivons une société très artificielle. Écoute que nous perdons le sens des vraies valeurs. C'est un coup même Jean, mon café en parenthèse tout de suite. C'est un coup même Jean Robin 17 octobre qui rappelait anniversaire l'an mort Jean-Jacques Dessalines. Papa Nation. Et pour à travers le pays, un paquet de jeunes, c'est une journée de mer où vous allez, c'est une plage où vous allez, c'est plaisir. Alors que, en principe, c'est une journée de réflexion, son journée symbolique côté de cet adoué conférence de presse qu'a fait, émission qu'a fait dans la radio, jeune qui chita qu'a réfléchi, pour qui ça des salines de mourir, Jean Mouria, qui ça le gagne comme impact, qui ça des salines de représenter. Donc cet adoué une grande journée de réflexion et de sensibilisation, mais malheureusement, pas grand qu'un l'État, pas grand monde qui élevé réflexion dans niveau ça. Et c'est très malheureux. C'est même gens ou après. Des bagages qui artificiels qui va être trop sensé là-dedans nous plonger nous c'est là-dedans nous bail tout et tout nom nous tout ça gagner et bagages qui essentiel qui fait pays qui fait citoyen qui fait honneur qui fait valeur morale bagages ça presque pas existé je dis pourvu que nèg la gagne colon côté c'est là qu'a défendre un bout de job ou bien de good il prêt pour le touiller il prêt pour le faire toute bagaille il prêt pour l'agresser moun malheureusement question intérêt collectif le vivre ensemble nous l'acceptation de l'autre. Nous pas gagné ça, nous perdu ça aujourd'hui. Que nous t'ai gagné dans le temps. C'est très malheureux, c'est là nous. Moi même c'est pas gagné ça que volte qui fait les m'a parler ou m'a parler j'en parler. Me garde pays parce que faut tu voyager nous là en République Dominicaine. Moun yo gon statut et ou agir en fonction de statut ou gagné. Immédiatement statut ou changer, faut conformer ou. Ou capable non niveau mais immédiatement pour l'autre échelon faut conformer mettre là gon protocole pour kembe gon dimension pour kembe gon niveau pour lever tête tout non malheureusement ici bagay ça pas tellement kembe chaque on a pensé chercher côté bagay là bon y a pensé tirer li dans sens pa yo c'est très malheureux et tant que c'est comme ça nous braler nous pas sur route pour nos gon pays et me penser l'état université a gon rôle pour jouer professeur enseignant journaliste la presse même les grands pile problème tout lui même comme corporation comme corps et pour nous poser problème dans l'autre niveau parce que la jeunesse attend mieux de nous-mêmes et qui soi-disant élite de sacrété de soi-disant élite dans le pays et à tous les niveaux. Tout à fait. Alors, Jean Dillan, 14 février, c'est fête des amoureux, Jean Dillan. Oui, mais chocolat. Moi-même, pistache en pile. Et oui, moi-même, pistache, même pas trop, mais chocolat. Okay. Pas trop, mais chocolat. Et. Machine toujours un bocal pistache. Oui, toujours bien. Auditeur, comprends. Alors, effectivement, les pays producteurs de chocolat, parce que en pareille période, France, dans le monde, c'est des centaines de millions de dollars qui entraient dans l'industrie, ça, industrie production chocolat, justement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire les pays producteurs de chocolat, ils ont intérêt à maintenir cette question dans notre mental, justement, pour nous continuer quoi là-dedans, etc. Alors moi-même,
m'a pas un problème que la fête de l'amour, c'est chaque jour. Ah, moi, je sais toutes les secondes. Oui, c'est ça. Les mais m'a pas un problème que même s'il y a ce qu'on appelle l'amour dans les petites choses, on t'y attention, on t'y détail, on t'y service qui fait que on vive bien, amour. Nous partager de très bon. Tout, non? Ah, même si on est qu'on écrit en pile, les très jeunes. Parce que je comprends bien. Donc, l'amour, c'est bon que ce qu'on se d'adou. N'est-ce pas une boîte de chocolat et puis on dit le bienvenu. Il n'y a pas qu'à bailler chocolat, on dit mon cher, nous retirons dans l'air. C'est ça. Ça veut dire, faites la vie atteindre une dimension au point que les plus faibles, c'est un coup les plus faibles, pas qu'à exprimer l'amour en cette occasion. C'est ça la tendance. C'est un coup les plus faibles, pas qu'à exprimer l'amour. Je préfère exprimer chocolat en pile. Bon, si on est pas négocié chocolat. C'est un coup les plus faibles, pas qu'à exprimer l'amour et non date ça. Ça veut dire, c'est ça que fait, par exemple, la caricature. Et ils ont montré, par contre, la caricature ça. Ils ont montré un blodé qui portait une tasse qui gagnait chocolat avec deux morceaux de pain. Et puis, ils ont montré un papa. Nous connaissons ça, ça veut dire dans le langage actuel. Ils ont un papa qui ralentit, wow, qui gagnait des billets verts, etc., etc. Donc, ça veut dire blodé pas qu'à faire concurrence avec papa dans la réalité, ça, etc. Je pense que avoir une date spéciale pour fêter l'amour, c'est pas mauvais. Et ça qui est mauvais, c'est le fait que nous faisons en sorte que ces mondes qui gagnent plus l'argent, yo, qui gagnent plus visibilité, c'est yo qui est plus important. C'est un coup, c'est yo qui est capable de cultiver l'amour dans le cœur pour yon l'autre monde. Et me penser, c'est à ce niveau qu'il faut adresser le problème si nous voulons construire une société véritablement. C'est ça, moi, penser fondamentalement sous question ça. Eh bien, France, nous prenons Marquis Pouzlan. On salue notre ami, Maître Jean-Bernard Chéry, avocat au niveau de la Floride, qui est branché et moment vérité. Et dans quelques instants, on va marquer la pause. Oui, nous allons poser la table, mais il y a des éléments d'APC confirmés, Peggy. Mm-hmm. Et nous après l'Assemblée Sénat et convoqué le ministre TPTC, acte de gain avec DG Konatel là, sous question DG Konatel là. Très bien, très bien. Sous question problème qui est télécommunication et en général dans le secteur, problème Téléstar, etc. Qu'on a des problèmes que la justice. Alors, problème Téléstar, chaîne 40 là. Chaîne 40, oui, c'est important. Bon. Alors, oui, il est fondamental que Il est fondamental que ça élucider. Si c'est la justice qui, pour deux parties, va aller pour le trancher, que le trancher, mais pour que Konatel lui-même se soit fait partie pris dans la question, ça est important. Les sénateurs veulent gagner plus de détails sur la question. Ça, yo convoqué monsieur au niveau du Parlement, du Sénat de la République. Mais on a invité le sénateur au réveil. Depuis moi, Anel, je suis content. Depuis moi, et. Anel Bédizère? Sénateur Anel, je suis content. Ah, bon, il est le sénateur. Le sénateur D. Député le D. Bon, ma belle, je suis candidat. Je suis candidat. Dis tout le monde. Mais c'est un problème. C'est pas ça qui fait que vous ne pouvez pas accepter les OPJ. France. Depuis que vous êtes candidat, vous trouvez le poste. L'aile perdu qu'on a toujours été nos rêves. Que le pape du fric. Comment rêve là? Comment rêve là? Ma poussé en elle même. Non, qu'elle va pousser. On a l'élection encore. Pas de problème. Écoute, ça me donne une précision. Je vais vous voter pour nous. C'est que lundi matin, à 11h du matin, dans Valumant, il va attendre M. Jean-Marie Aldema. Sous dossier chaîne 40 là. La commission transport au niveau du Parlement. Parce que je trouvais que y a un abus qui fait, il y avait plus d'informations de Jean-Marie Aldema pour demander monsieur pour qu'il salve votre agir tranché. Ça c'est un élément qui fondamental. Lundi matin 11h, il y a peut-être Jean-Marie Aldema dans le Parlement. Très bien, très bonne nouvelle. Parce que en réalité, nous pas qu'à cautionner arbitraire. Et à ce niveau, je pensais que. Il est fondamental que c'est la justice qui décide. On sentit que le map garde des fils correspondants qui échangent. Oui, on met l'humain, autorisé, etc. Non, etc. On sentit que il y a une incohérence qui montrait que quelque part, il y a une injustice, un abus qui était fait sur question. Tout à fait. Lundi. Surtout dans l'intervention, déjà, elle t'a fait sur ce coup-là. C'est la justice qui peut décider. Justement, c'est ça qu'elle doit faire. L'idée doit référer deux parties devant la justice pour la justice trancher. Or, c'est pas ça qu'on a tel fait. On a tel prend pas
parti pour tierce personne qui pas même une parti yo. C'est ça qu'on a tel pas de faire. Donc sénateur yo pas le temps de monsieur. Je reconnais ça. Je reconnais ça. Bon, il va vous reconnaître ça, on va pour corriger. Corriger rapidement pour corriger ça et que pour la justice lui-même est décidé pour que le droit jaillit dans question ça. C'est ça. Alors, et l'autre élément information pour une bataille avec auditeur Peggy et d'après ça on apprend là assemblée Gatti bouche l'ouvrir et n'a pas les national. Avant ça passait entre Christine Coupette avec Wilson Lalo pour question de poste parce que songez premier élément information qui a circulé dans les médias on pas de confirmer c'est Christine qui a gain possibilité vinn chef cabinet nouveau président Jovenel Moïse maintenant l'elle vinn confirmer document officiel c'est Wilson Lalo est-ce que le gagne donc là est-ce que quelqu'un compétent là c'est ça le débat ou qu'on est qui gens politique fait ici il y a des monde qui considèrent candidat c'est en de royauté par rapport à campagne par rapport à proximité par rapport à rapprochement etc. Mais on s'appelle c'est gros dame. L'on vient arriver clair là. Ah, qui connaît. Maman, c'est Gladys Coupette, APB, Citibank, etc. Maintenant, l'on vient, les pays qui j'en viennent arriver dans le poste là, la regarder. Il y a des nègres qui ont fait campagne avec elle. C'est vrai, ils ont battu là où il y a, mais il y a des postes de responsabilité. Est-ce que Nexa ou Befam ça, il gagne suffisamment de bagage? Faut capable de pour l'appliquer. Donc, est-ce que c'est dans le niveau ça, un problème de poser? Mais il y a un problème comme ça qui est important que le président résoudre dans l'environnement parce que. Et Jean, ça a toujours eu pour tout président, les premiers problèmes, les premières contradictions sont toujours venus de l'environnement immédiat qui viennent censé fragiliser. Donc, Jovenel Moïse a pile travail pour le faire, pour rétablir la sérénité dans son environnement immédiat pour que et chaque monde joue un rôle et que yo taille pas résultat sans pas gagner empiètement sans pas gagner laisser frapper parce que pays y a pas besoin ça dans ça ni là nous besoin monde qui vienne travailler pour la république c'est ça donc il y a pas de problème avant de passer à l'invité donc c'est lundi 11h au niveau du Sénat de la République 11h et puis enfin Marie Vegui m'a dit que Signal FM encore une fois Jacques Mel nous avant direct pour un capot de carnaval Jacques Mel est-ce que DH te joint un million de gouttes que tu as besoin pour Jacques Mel là c'est pas ça carnaval Carnaval Sud-Est, là, c'est dans baleine mais avec un flash téléphone. Là, d'après moi, il y a un cabaye courant. D'après moi, il y a un cabaye. C'est ça, oui, de Voltaire. Parce que, et sénateur, député, est-ce qu'il va aller en ça? Avant bas, député. En pilote, dit. Bon, c'est ça. Moi, merci au Peggy. Pour Jean-Yves, ouais, Peggy Remé, c'est que tu peux être là, faut le tâcher. Et pas ça, moi, je parce que dit Peggy Remé, c'est signal qui remet, c'est que tu peux être là. Il dit Peggy Remé, il dit Peggy toujours parler de équilibre. Ah, j'ai la fait promotion, c'est que tu peux être là, faut le tâcher. Journal 4 et tout. Bon, moi, de direction générale, là, il y a signal par Remé, c'est que tu peux être là. Par Remé, c'est moi, France qui remet. Moi, France seulement. Ok. Bon, donc c'est moi France qui remèle. Pas que vous le carnaval. Moi avant France ça fait où tout ça. Mais pourquoi ça est dans celle où parler? Et celle ça c'est libre. Parce que c'est l'autre. Par exemple journal 4. Et le moins bête. On dit c'est le journal 4. France. Ah vas-y. L'autre carnaval. Comment le carnaval qui est le journal 4? Ou pas au courant? Non, il y a un petit zadel. Non, mais moi d'où c'est le petit zadel? Non, je ne suis pas au courant. Non, est-ce qu'elle a un petit zadel? Ah, non, mais ça veut dire. C'est qu'un petit jardin balade. On continue. Ah, ça veut dire qu'on est l'existé. Et Mando, bah qu'on est. Non, pas qu'on vient dans un bêtise à quoi. Qu'on est l'existé. Elle a mieux. Pas qu'on est un bêtise ou pas. Pourquoi on est bêtise? Ah, ok. Moi deux, ça va pas aller. Où est l'exemple? Oui, moi deux, ça va pas aller. Où est loin toujours? Et moi là. Oui, m'tendez. Bon, salut, Marie. Salut, Péguy. Cool, c'est le carnaval. N'a pas compris ça, amis auditeurs. On nous prend une pause là et puis n'a pas tout avec panéliste. On permet de saluer le public là. Absolument. Oui, c'est ça. Et puis, Anel Belizeur, comment nous y est? Salut, M. France. Salut, Peggy. Salut, camarades, nos amis, nous qui là. DGA a posé une question. Est-ce que RCH a un carnaval encore dans le sud-est de ça? Moi-même, ça m'a dit où? C'est un peu et que, oui, gaz, bon Dieu. Et ça, gaz, bon Dieu. Anel Belizea, qui fait partie de Famille Signal, nous avons un an administration privée et next là. Depuis l'Elfin Bay, on s'est de sénateurs, direction générale, yo, yo a jambé RCH. Et c'est à partir de publicité pour Radio Aviv. Pour raison, ça a déjà. Ah, comprenez bien. Ça, t'as qu'un pouvoir en elle, privé. T'as nous tout est la valasse, nous. Y'a pas qui problème, ça. Bon. T'as qu'à comprendre bien ça, nous. C'est toujours qu'on s'allie dans un pays d'Haïti. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dommage. Sans penser à y'a pas s'allier. Y'a problème, monsieur. Depuis le Kalos, le bon, gagné, on a pas jamais payé. Non, et pour montrer déjà raison qui fait que nous pas qu'à aller. Y'a pas de problème, RCH. Parce que je dis,
n'a prendre sous signal. Et on connaît gain équipe culturelle là Kapamba. Il y a pas aménagé avant même stand non pas fait. Mais nous pas nuit parce que la vie est saliée. Nous dit merci et n'a souhaité pour signal tout DG. Tu as sorti dans la crise que lié. Oui, beaucoup crise. Avec signal en crise. T'as parlé de télévision hein, mais de radio en crise parce que pour ça signal représenté comme moi t'ai dit c'est radio pas en crise, mon cher. Il y a des problèmes que la direction générale a travaillé sur vous pour résoudre. Mais radio n'est pas en crise, Anel, mon cher. Elle est trop fort. Non, avec ça. Si mon enfant, il me bat carrément, peut-être. Oui. Oui, il y a des problèmes qu'il a résoudre. Il y a plein de choses qui commencent à résoudre d'ailleurs. Nous souhaitons que la direction en Chita, pour ne pas avoir le même jarem, parce que chaque fois nous avons un membre de la famille qui a une difficulté, il faut nous arranger nous pour nous reprendre. Parce que pour ça, signal représenté. Moi, je n'ai pas oublié le signal de janvier. C'est que si pas de signal, je garantis que un paquet d'informations reste dans le monde. Oui, il y a une vie qui peut sauver. Ok? Mm-hmm. Je dis à nous, dis autorités haïtiennes, radio, il n'est pas obligé d'avoir une raquette avant sous la publicité pour le bon 25%. C'est la publicité qui permet que l'y informer, l'y former, ok? L'y quimber la société en alerte. Donc, je m'a suggéré. Ah monsieur, yo, pas fait complexe, j'aime des convers. Nous pas dans Michael Matéli avec Laurent Lamotte, yo bay radio à publicité ne pas passer. Nous pas pas chercher d'assurer que nous met tête nous. Ah, c'est qu'on soit qu'on fait. Oui. OK. Mm-hmm. En pensant que vraiment peut-être deux étapes mieux, mais deux mais vient pas mal, son gros réalité. Mm-hmm. C'est que comme moi-même victime de ça, moi-même tout dit staff signal là pour ça le représenter pour moi, je fais partir de la famille signal. Mm-hmm. Pas occupé aucun nèg qui a pris micro à la voie et monter sur aucun monde. Parce que les voies et monter, nèg arrivé sur eux, pas gagné tomber dans la direction. Moi, je ne veux pas parler en pile, parce que je dis mon traversé. Non, je ne veux pas parler de ça. Non, je dis mon traversé. Mais pas de problème. Il faut grandir pour traverser, parce qu'il n'y a pas qu'à prendre place. Oui, c'est ça. On salue. On salue Maître Claudie Garçon. Je n'ai pas besoin de rappeler que l'ancien commissaire du gouvernement, je n'ai pas besoin de rappeler l'ancien secrétaire d'État, ancien juge d'instruction. Et je n'ai pas besoin de rappeler non plus que l'avocat au barreau de Port-au-Prince. Maître Garçon, comment nous est-ce? Bonjour, Peggy. On salue France, on salue député et ex-député Anel Bélizère, Mansinga Dilgonza. Mm-hmm. On salue l'autre invité. Et, oui, Jean-Tel Joseph, du consortium des partis politiques. Je ne sais pas si M. Piagé, oui. Première fois, moi, Jean-Tel. et puis, l'autre invité qui l'a eu. Et on salue. Très particulièrement. C'est l'ingénieur des roses du secteur des handicapés à Mirbalet. C'est Mirbalet le sorti pour venir faire plaidoyer pour le secteur handicapé. D'accord. Okay. Et, donc, je salue l'auditeur, Matin qui branché. Et j'espère que nous avons un très bon débat. Que Anel va attaquer. Je vais attaquer Anel tout. C'est ça. Et monsieur Jean-Tel Joseph, comment nous est-ce? Bon, moi salue nous, monsieur. Je salue France. Moi salue Paul.com Maître Garçon, Peggy, député Anel, tout staff signal là. C'est réellement un plaisir pour moi faire partie des panels ça matin. C'est ça. Moi je voulais publiquement saluer courage Jean-Tel Joseph dans conjoncture actuelle là. Parce que en fait, il y a des questions. Depuis le rapport à un petit privilège, en question visa, en résidence, en green card, j'en ai dit là, tout le monde voulait entrer tête. Moi, je me dis ça, dans le moment vérité là, l'envie sous dossier Guy Philippe, là, il invité qui a pipi, mais assure que tant il fait pour aller dans la toilette là, n'importe 40 minutes. Ou bien tout rentre en bas de table là, il presque envie de dire, pas n'aime de sujet ça, non, passez à l'autre, mon etc. Je voulais saluer courage. Même si parfois, il y a tendance à accuser des mondes, et n'a venu sur ça, et puis il y a l'autre, comme si pas de problème, n'a venu sur ça tout à l'heure, même je voulais saluer courage, parce que, ou c'est, par exemple, monsieur fait sit-in devant l'ambassade américaine, le premier député Pestel là, t'es là. Mais en fait, vous t'es senti que M. Poukol,
mais quand même, comme chef de parti, il y a sûrement certaines responsabilités, me pensais. N'a pas l'entrée au fond dans la question, même si vous pour le moins, et publiquement, ça lui courage dans la question, même si après, nous pourrons mettre tout petit bémol que nous avons. C'est ça, et je vous garantis, même les États-Unis, dans le dossier, il y a apprécié courage, parce que Jean-Serge Beaulieu, et c'est un peuple moral. Même lui a fait des autres, il y a un niveau, il y a une limite dans des autres là. Donc, mon cher, Kembila, courage. Merci. Alors, il n'y a pas tout haïtien, parce que haïtien, tout en pile courage. C'est qui assume. Merci. En nous, on suppose là, et puis. On salue ingénieur Jean-David Deos d'abord. Et après, on a proposé. Ingénieur Deos. Bonjour, M. Jean. Moi, saluez-vous. Et moi, saluez M. Claudie Gassan. Moi, saluez-vous M. Franz Exantus. Et moi, saluez député Anel Bélizière. Et M. Jean-Tel Joseph. Nous saluez-vous. C'est ingénieur Jean-David Desroses qui est représenté OHM, Organisation des handicapés de Mirebalais. Et nous saluez tout handicapé qui branche dans un moment que. Ou sur le plan international et national, nous disons bonjour et après, nous sommes capables de faire des étalages et à propos de problèmes de monde handicapé jusqu'à présent a subi dans le pays.